z Bonjour, bienvenue ici euh, pour une rencontre euh, sous le signe de l'autobiographie, de, de la psychanalyse, de la famille et tant d'autres choses dans le cadre du festival Effraction, édition évidemment virtuelle cette année, en compagnie de Sarah Chiche. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, bon, comme on s'en doute au vu de cette présentation, vous êtes romancière, vous êtes également psychanalyste. Et votre dernier roman Saturne, publié aux éditions du Seuil, a été très remarqué lors de la, de la rentrée littéraire. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure euh, qu'il était question de, de roman et d'autobiographie, je vois sur cette couverture de roman le terme roman. Est-ce que vous revendiquez, d'abord, avant qu'on rentre dans le contenu de cet ouvrage et de votre travail littéraire, ce terme de roman oui, je le revendique absolument parce que euh, même si je me suis servi pour euh, composer, recomposer ce texte, je dirais, euh, d'un certain nombre de documents historiques, notamment sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, ou d'un certain nombre de, de lettres que l'on peut que l'on peut trouver telles euh, dans le roman. Euh, pour autant, je savais en commençant son écriture que je ne savais rien. C'est-à-dire que c'est aussi L'histoire d'une absence d'image, d'un homme dont on ne se souvient pas l'avoir vu ni vivant ni mort. Donc, quand vous ne savez rien, tout est possible, tout est à inventer. C'est là que commence la fiction. Alors, euh, un homme et pas n'importe lequel dans votre vie, puisque c'est de votre père dont il, dont il est question dans, dans, dans Saturne. C'est pas la première fois que vous évoquez la question de la, de la famille, notamment dans, dans Les Enténébrés, votre, votre précédent roman. Et donc, vous vous attachez à ce père qu'en fin de compte, vous ne connaissez pas. Ou ou si peu en quelque sorte. Oui, et je crois que décidément, aimer n'a rien à voir avec connaître. Et j'en avais l'intuition, mais je l'ai vérifié euh, dans, dans, dans l'écriture de ce livre, euh, qui commence par une déflagration, c'est-à-dire que euh, pour moi, il était hors de question jusqu'à présent de décrire de, de, sur, sur mon père et puis il y a eu cette rencontre euh, qui, qui ressemble un peu à un début de film et qui pour autant est tout à fait réel je me trouvais en mai 2019 au salon du livre de Genève quand tout à coup une femme après une conférence une femme que je connaissais absolument pas vient à ma rencontre et me dit euh, vous ne savez pas qui je suis mais mon nom vous, vous, ne vous dira rien mais moi j'ai bien connu votre père votre oncle et, et vos grands parents c'était à Alger pendant la guerre d'Algérie et bon, passé la, la, la sidération dans laquelle ce, ce, cette rencontre fantomatique m'a laissée, je, je me suis dit qu'il fallait que c'était un appel en fait. Et je me suis souvenu de cette promesse, au fond que je ne connaissais que trop, promesse faite dans la clôture d'une chambre d'enfance nuit après nuit quand j'étais petite, promesse renouvelée à l'adolescence devant une tombe, la promesse d'écrire cette histoire. Donc, l'histoire de cet homme mort très jeune, à 34 ans, scandale atroce, mais scandale, scandale banal. L'histoire aussi d'un monde perdu, cet immense empire médical dans lequel il a grandi, euh, dont il devait, avec son frère, hériter, ce qui ne s'est donc pas fait. Euh, l'histoire aussi de ce, de ce monde, donc. Euh, euh, avec l'argent toujours comme force, jamais comme force aventureuse, mais vous voyez la trop grande richesse matérielle, mais toujours comme force de mort. L'histoire d'un amour fou, celui que cet homme, Harry, a eu pour ma mère, Eve, qu'on avait possiblement déjà croisé dans les enténébrés, Eve. Et puis aussi, euh, à cette première partie, euh, placée euh, sous le signe de la, de la démesure maniaque, de l'ubris, de l'excès, excès d'argent, excès d'amour, euh, euh, que s'oppose en, en, en tout point la deuxième partie, qui est celle d'une dépossession, une histoire, la chronique d'une mélancolie. Euh, L'enfance qui fut la mienne, c'est vrai, la jeunesse qui a été la mienne, celle d'une enfant sentée par le deuil. Qu'est-ce qui se passe quand vous vivez euh, au milieu de gens qui, comme, comme dirait Brel, que le deuil habille vous voyez, et qui, qui flânent comme ça de, de, de mort en mort Les gens autour de vous tombent les uns après les autres. Et puis il y a ce, ce, premier, ce premier grand amour de ma vie, mon père, que, que je ne me souviens pas pour autant avoir vu ni, ni vivant ni mort. Eh bien, quand vous ne vous souvenez pas, euh, avoir vu quelqu'un qui vous, pour autant vous a donné le jour, ni vivant ni mort, je crois que ça crée les conditions d'un étrange rapport au monde, et puis possiblement les conditions d'une écriture aussi. Saturne, roman des origines à plus d'un titre, donc, euh, que vous nous avez ici présenté, dont on voit à peu près, j'allais dire, les, les principaux centres d'intérêt, mais avant tout, un roman, c'est une langue, celle de l'auteur, et pour qu'on plonge véritablement dans, dans ce livre, j'aimerais bien entendre un premier extrait. Euh, que vous allez nous lire. On entrait dans l'automne. Il le veillait depuis deux jours. Au matin du troisième jour, les ténèbres tombèrent sur leurs yeux. Sa mère était affaissée sur une chaise dans un coin de la chambre. Elle avait posé sur les genoux un mouchoir rougi de sang. Son père, à son chevet, lui caressait le front comme on berce un tout petit enfant. Sa femme lui tenait la main. Ses doigts étaient bleuis de froid, ses joues livides. Elle brûlait de sa beauté blonde un peu sale dans une robe trop somptueuse. Il était étendu, inerte, enfermé en lui-même sans plus de possibilité de parler autrement qu'en écrivant sur une ardoise qu'il gardait à portée de main. On avait placé une sonde dans sa trachée, reliée à un respirateur artificiel. Un tuyau lui sortait du nez de temps en temps ses yeux allaient du scope sur lequel on pouvait suivre le rythme de son cœur, le taux d'oxygène dans son sang, la tension artérielle et sa température au visage de sa femme puis il revenait sur le scope puis au visage de sa femme il la regarda il la regardait ses yeux, ses mains, ses lèvres, leur silence, leurs mots, leur joie, leur chagrin, leurs souvenirs il sentait la pression de ses doigts sur les siens. Il regarda sans doute cette main agrippée à la sienne de la même manière que lorsqu'elle était au bord de jouir, qu'il prenait son visage entre ses paumes pour l'embrasser, qu'elle liait ses doigts aux siens, penchant la tête de côté, cachant ses yeux sous la masse de ses cheveux qui retombaient en torsade sur sa bouche, soudain plus lointaine à l'homme qu'il aimait jusqu'à la brûlure, devenant la nuit dans laquelle ils tombaient tous deux. Merci Sarah pour, pour cette lecture. Justement, cette scène, quelle est-elle à proprement parler Et pourquoi commencer cette urne sur cette scène qui est glaçante Ça commence donc par l'agonie, euh, les derniers jours euh, d'un homme qui, qui, qui va mourir. Euh, sa famille euh, autour de lui. Euh, ouais, J'ai pu dire que j'avais mis 43 ans euh, euh, mon, à, à, écrire, euh, à écrire, à pouvoir écrire cette scène. J'en ai 44. Euh, mon père est mort quand, quand, quand j'avais 15 mois. Euh, face à cette absence d'image, l'absence inaugurale, c'est-à-dire cette scène, toute cette famille, toute sa famille est autour de lui. Sauf une personne, c'est la petite fille qui n'a pas pu voir cette scène. C'est vraiment la question de l'irreprésentable. Et donc, pour l'écrire, euh, je me suis servi bon, ben de ce, ce, ce que je savais, de façon la plus plate possible, la plus immédiate sur ce que c'est quand vous êtes en réa et que euh, vous allez mourir dans, dans les heures, peut-être dans les heures ou dans, dans les jours qui viennent. Mais aussi, euh, j'ai eu recours à la peinture. Notamment un tableau de Bassano qu'on trouve au Louvre et qui s'appelle La Déposition du Christ. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que j'ai glissé des éléments concernant la mère, le père, la femme, l'infirmière vêtue de vert qui va venir à un moment donné. Euh, voilà, on les retrouve tous dans le tableau de Bassano et ils sont aussi là. Il était très important pour moi justement euh, que, de pallier cette absence d'image par un recours justement. Euh, un recours au tableau que, que j'aime. Et puis parce que sinon, c'est abominable. On, on ne peut pas écrire une telle chose. On peut pas. Déjà, euh, pouvoir la penser, euh, c'est impensable. Et donc, euh, voilà, on, on trouve des biais. Euh, travail d'imagination euh, que celui de la romancière, au sens de créer des images, en quelque sorte. Et c'est en cela où... Votre livre est forcément une fiction, parce que votre père, vous ne l'avez pas connu, donc vous avez eu quand même une première base et vous créez des scènes à, à, proprement, à proprement parler. Justement, sur quelle, j'allais dire, euh, base documentaire vous avez pu établir cette vie en étant, si possible, euh, au plus proche de, de la réalité, oui. de la vérité. Alors, euh, ce sont des souvenirs de souvenirs, des choses qu'on a pu me raconter, que ma grand-mère paternelle m'a raconté, par exemple s'agissant de mon père et de mon oncle en pension, c'est-à-dire quand du jour au lendemain, ils ont dû quitter euh, l'Algérie et qu'ils se sont retrouvés. Euh, dans cette espèce d'internat euh, qu'on croirait sorti d'un roman de J.K. Rowling. Voilà, c'est un peu Harry Potter, mais en fait, c'est beaucoup plus glaçant que, que cela. C'est-à-dire qu'à euh, ce moment-là, ben, ces deux frères qui n'ont qu'un an de différence, ils s'opposent déjà en, en tout point. Et ça m'intéressait de travailler ce motif-là, de l'amour et de la haine entre frères. C'est un peu Cain et Abel. Euh, On y peu... pense en tout cas, oui. Oui, absolument. Et, et puis voilà, et donc autant l'aîné euh, va euh, grandir, grossir euh, et euh, s'épanouir euh, de toute son autorité, de toute sa morgue, de toute son assurance, mais le cadet, mon père, euh, euh, et ben déjà dès l'enfance, il n'est déjà que la pâle copie de l'autre. Pourtant, les deux sont élevés, euh, comme vous le, dit, euh, vous le dites à un moment, un peu comme des jumeaux, en tout oui. cas. Et on s'aperçoit très vite que, voilà, euh, oui, c'est presque une photocopie, une copie. Oui, de, de, de et de ça commence assez tôt. Ça commence, euh, ça commence dès la nuit. Vous savez, quand y a deux enfants dans une même chambre, il y en a un qui est repu par les caresses de la mère, par les joies du jour, et qui s'endort paisiblement, et l'autre qui ne peut pas qui est taraudé par euh, ces labyrinthes intérieurs, par ces monstres intérieurs et qui, du coup, va, se, va aller jusqu'à la fenêtre et regarder, euh, et regarder le ciel et tomber face à bah, cette expérience que bon nombre d'enfants euh, font quand tout d'un coup, une nuit, on regarde l'immensité du ciel et qu'on se sent absolument, euh, absolument microscopique, absolument dérisoire et qu'on qu comprend que ce monde de l'enfance, euh, un jour, euh, va être perdu que ça ne durera pas toujours, ni les parents, ni les grandes joies de l'enfance, ni même le frère qui dort à, à côté. Parce que, j'allais dire, ces enfants auraient presque tout pour être très heureux, parce que vous faites le portrait euh, justement de, de votre grand-père en Algérie et son départ en, en France, et euh, j'allais dire, une partie du livre, c'est aussi un, un livre sur la réussite de ce grand-père, parce qu'il qu a fait, c'est quand même assez, assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a presque bâti de, de, de ses mains oui, alors, euh, eh bien, ça raconte donc l'histoire de, de, de Joseph qui va construire d'abord en Algérie cet immense empire médical et puis, euh, du jour au lendemain, éclate une guerre qui longtemps ne dira pas son nom et donc ma famille a dû, ils ont dû partir du jour au lendemain et donc ils ont tout laissé, ils ont tout quitté. Euh, eh bien, euh, au mi-temps des années 60, euh, il a fallu donc tout reconstruire. Et donc ils se sont livrés, au fond, cet homme euh, euh, Joseph dans le roman, mais euh, évidemment euh, inspiré par mon, par mon grand-père paternel. Euh, il n'a eu que pour objet alors de nier le cadavre de la perte. C'est-à-dire, au moins, si vous arrivez en France et que vous reconstruisez tout à l'identique et que vous faites même encore mieux et encore plus fort, alors il n'y a plus de perte, il n'y a plus d'exil, il y a plus il y a plus de manque. Et c'est ce qu'il s'est attelé à faire. Voilà, en constru... Et en très peu de temps, c'est ça qui est oui. assez, assez étonnant. Oui, 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 oui. Ben, c'était un, un bourreau de travail. Il se disait qu'il ne dormait jamais dormait très peu, effectivement. Mais justement, ça crée un conditionnement très particulier, non seulement social, mais, mais, mais familial. Quand ces, 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 ces deux petits garçons vont se retrouver face à une telle euh, dire, figure pater, paternelle de, de, de réussite, c'est quand même un peu, un peu écrasant. Et, euh, voilà, il faut être au niveau du père, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Alors, Ce peut être un grand malheur de ne pas avoir de père, mais ce peut être aussi un grand malheur d'en avoir un, si présent, hein, qui recouvre de son ombre ses enfants. Et donc... Euh, euh, j'ai été très marquée par un livre, Le guépard de Lampedusa, et c'est cela aussi. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et donc, les enfants euh, sont sommés de suivre les traces du père. Ils seront médecins. Discuter cette chose, avoir d'autres désirs... Ce n'était pas possible de... vous montrer qu'ils ne pouvaient être que médecins. On, on ne peut être du... que médecin. Et donc, on, reproduit, on ne peut que reproduire euh, le modèle familial. Et donc, euh, l'aîné Armand euh, va le faire. Ça va être le bon fils... Qui va faire fructifier tout cela et le cadet Harry, lui, est nocturne. œufs, il va tout à fait s'écarter de cela. Alors, à partir de quand ces deux frères Armand et Harry vont commencer à se, j'allais dire, se, se séparer en quelque sorte À partir de quand Voilà, il y a une faille. Euh, enfin, à partir de quand vous montrez justement le, le, le début de cette faille entre eux alors bien sûr, oui, il y a le motif de la de la et puis s'écarte. Alors il s'écarte. On, on l'a dit d'abord en, en pension quand euh, l'un est populaire et l'autre est euh, martyrisé. Aujourd'hui on dirait harcelé même par ses camarades. Euh, une ils pension vont... très chic d'ailleurs. Enfin. Oui, une pension absolument très chic et, euh, et voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est très chic que euh, la cruauté euh, la cruauté morale n'existe pas. Elle est même euh, encore plus encore plus vile et encore plus encore plus puante mais en tout cas euh, ils vont s'écarter aussi quand euh, Harry du jour au lendemain va faire ce passage à l'acte de quitter la fac de médecine c'est à dire qu'il arrive en cours on est au moment des événements de peu de temps avant les événements de mai 68 puis au moment de s'asseoir il ne va pas s'asseoir et puis il va, il va quitter il va quitter la fac il n'y remettra plus jamais les pieds et puis là, il va s'enfoncer dans la nuit, les cinémas, le casino. Vous savez, c'est marrant le casino parce qu'il ne fait jamais, il ne fait jamais nuit. C'est toujours les lumières artificielles. C'est la version païenne des étoiles, du ciel qu'il aime tant, et de ces planètes. Et là où il va cramer dans une joie noire l'argent familial, l'argent du père. C'est une façon de dire avec les moyens du bord, que, enfin de ne pas cautionner ni ce qui s'est passé en Algérie au moment de la colonisation, ni, ce qui se, ni la façon dont son père traite ses employés, par exemple, ou, ou tout, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, l'amour. Justement, l'amour représente quand même pour lui aussi une transgression, oui. parce que votre mère n'est pas forcément, euh, j'allais dire, enfin, ne correspondait pas forcément aux codes sociaux pas vraiment. attendus euh, par la famille, par le clan familial. Pas, pas vraiment, et, euh, et ça aussi, c'est un matériau incroyable pour un écrivain. Euh, euh, moi, j'étais une, une grande fan de, de Manon Lescaut, de euh, ses euh, figures, de la femme perdue. Voilà, dans, dans Manon Lescaut, l'abbé Prévost, voilà le, le jeune Grieux, il voit Manon. Et dans l'instant, il veut la sauver de tout, euh, d'elle-même et, et des autres. Est-ce c'est ce, est ce qui se passe quand euh, Harry va rencontrer Eve? Eve. Euh... Oui. C'est son vrai. Premier... Non, 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 mais justement. C'est une clé romanesque. C'est une clé. C'est une clé romanesque ou là. Peu. voilà c'est non seulement la femme perdue mais la femme pécheresse la tentatrice euh, elle aussi d'une certaine façon c'est un fantôme de sa vie de sa propre vie il l'aperçoit en hiver elle, elle n'a ni faim ni froid elle est tout à fait tout à fait étrange c'est comme une apparition pour lui et puis euh, l'amour comme grâce comme élévation mais aussi comme contenance et ces germes une possible damnation, c'est un motif que j'avais déjà travaillé dans les anténébrés et que j'ai voulu reprendre ici parce que on se dit que là, c'est la transgression, il va enfin Harry pouvoir s'émanciper de son milieu ce qu'il fait mais il euh, y a un truc beaucoup plus euh, beaucoup plus noir qui va le rattraper mmh, évidemment mais elle, elle symbolise véritablement aussi la liberté pour lui parce oui. qu'elle est quand même beaucoup plus ouverte sur beaucoup de choses euh, voilà elle permet aussi de le décloisonner de cette structure qui était qui était la sienne absolument c'est-à-dire que euh, elle n'est pas de ce monde morti... au fond très mortifère d'où il vient le, le, le monde de la, de la très grande bourgeoisie comme on dit euh, vous savez il y, a ce, il y a ce livre je crois que vous l'aimez beaucoup aussi Mars de Fritz Zorn hein, qui montre euh, comment cette reproduction sociale peut être tout à fait euh, mortifère comment dès l'enfance dès votre prime jeunesse vous êtes enfermé dans une logique qui où au fond vous ne pouvez pas avoir de désirs propres tous vos désirs propres sont des désirs sales vous ne pouvez pas non plus avoir des sentiments ou alors vous pouvez, vous pouvez, vous vous devez de lire tel ou tel livre parce qu'il est attendu dans votre milieu que vous, que vous les lisiez. Vous vous devez de faire telle ou telle étude parce que vous n'avez pas le choix de faire autrement et vous vous devez de même d'épouser tel ou tel genre de femme parce que pourquoi faire autrement alors, justement, je repensais à une romancière autrichienne aussi. Enfin, oui. là, on évoquait encore une fois la littérature germanique avec, euh, avec, euh, euh, avec Fritz Zorn et donc ce chef-d'œuvre qui, qui est Mars. Moi, je pensais à Elfriede Jelinek, évidemment, oui. qui a souvent évoqué cette, cette question des normes sociales. L'espèce, c'était en, en, en Autriche. Oui, mais j'aime immensément Elfriede Jelinek et euh, je trouve qu'elle a une langue d'une férocité. Euh, on va dire que c'est le. Féminin de, de l'alter ego féminin de Thomas Bernhard que j'aime aussi immensément, et voilà cette façon de s'attaquer comme cela euh, euh, aux normes sociales. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans la, dans la pianiste, qui est, qui est un livre que j'adore. Où euh, Erika Cohut est une preuve de piano euh, euh, complètement euh, coincée dans cette reproduction des normes sociales, concertiste ratée, et sa mère attend d'elle voilà, qu euh, qu'elle devienne, puisqu'elle n'est pas devenue cette brillante concertiste, qu'elle soit la meilleure. La meilleure prof de piano possible. On est dans une Vienne très corsetée par ce vernis de haute culture, mais où en même temps la pulsion de mort est, est là en permanence. Et Erika va à un moment donné complètement péter les plombs, euh, mais c'est ce qui en même temps va. Euh, c'est sa tentative désespérée, tragique et grotesque, parce que chez Gélinet, le tragique se double toujours d'un truc très féroce, très grinçant. sa tentative désespérée de, de s'affranchir de ce monde, oui. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, je crois qu'elle est également traductrice. Elle, euh, enfin, elle, elle maîtrise très bien le français. Il me semble qu'elle a traduit, euh, je crois, des pièces de Fédot et Courteline. Là aussi, on reste encore une fois dans la question de certains modèles, modèles sociaux euh, enfin voilà, qui ont été véritablement croqués avec férocité par ces, par ces dramaturges. Bref, je me permets cette, cette parenthèse. Quoique, Yelina, qui a été portée à l'écran, pour l'espèce la pianiste, par Michel Haneke, un cinéaste qui vous Passionnant. Oui. Pourquoi bah, J'aime immensément son, son cinéma et j'espère d'ailleurs qu'il reviendra au cinéma parce que euh, j'y ai trouvé quelque chose de, de sans équivalent sur, sur la question du mal. Comment nous sommes tous, chacun d'entre nous, des agents du mal c'est-à-dire, nous pouvons bien sûr être victimes du mal. Le cinéma de Hanneke est plein d'enfants, par exemple, victimes du mal. Je pense notamment au ruban blanc. Mais euh, comment nous pouvons aussi parfois euh, être des agents du mal C'est-à-dire, soit en commettant le mal euh, de façon délibérée, soit en commettant le mal en ne disant rien. En se taisant, alors qu'il aurait fallu dire quelque chose, il aurait fallu alerter. Un, un film de Hanneke qui le montre très bien, c'est Caché, où à un moment donné, il y a un enfant qui est, qui, enfant qui est battu. Et puis, euh, le personnage joué par Juliette Binoche s'apprête à dire quelque chose, mais finalement, elle ne dira rien. Pourquoi Parce que c'est le voisinage, parce qu'il ne faut pas, faut pas faire de vagues. Et puis euh, cet enfant finalement va finir par mourir. Si elle avait dit quelque chose, si elle était montée euh, sonnée, euh, demander ce qui se passe. Ça aurait pu euh, ça aurait pu épargner, peut-être sauver la vie de cet enfant. On ne sait pas. En tout cas, euh, j'aime ce cinéma parce que je trouve que euh, ce n'est pas un cinéma moralisateur mais c'est un cinéma profondément moral. Parfois un peu trop dogmatique à mon goût mais tout de même euh, éminemment éminemment moral, oui. Euh, J'évoquais cette question de l'image qui entre l'image et l'imagination. Il y a évidemment, y a évidemment un, un, comment dire, un lien euh, qui, qui, voilà, qu'on qu ne peut, qu'on ne peut nier. Je le disais tout à l'heure, c'est un travail d'imagination, d'être à la recherche des, des images. Et on a bien besoin d'une base au départ pour pouvoir provoquer l'imagination. Et parfois, ça prend le, le biais de, de documents, notamment de, de lettres. On a quelques lettres. Au cœur du, du livre, est-ce que vous pourriez nous lire l'une d'entre elles et, et bien sûr la, la contextualiser Alors pour le contexte, donc euh, j'ai voulu restituer cette lettre telle euh, qui m'a été transmise par ma mère, euh, laquelle la tenait de mon père, qui la gardait, qui la conservait dans, dans ses papiers. Nous sommes, nous sommes en 1968 euh, et ce sont donc euh, les les employés d'une clinique. Voilà, qui vont écrire à Harry donc pour porter à sa connaissance euh, des situations euh, une situation complexe. Monsieur Harry, nous avons l'honneur de vous demander les mêmes privilèges que votre père accorde à sa maîtresse, la directrice des infirmières pendant les heures de son service. Nous aimerions aussi pouvoir jouir entre 13h et 15h30 d'un moment de détente. Nous n'avons pas la prétention de demander au directeur de nous prendre en charge à la place Jussieu, comme il le fait souvent en taxi ou dans sa voiture avec elle. Mais nos maris pourraient venir eux aussi nous cueillir en face de la clinique sans se cacher. Votre père vous écoute. Nous savons aussi que vous êtes le seul à nous considérer respectueusement. Nous vous demandons donc de nous aider à rendre à notre maison une autre atmosphère que celle d'un bordel. En effet, depuis que le bureau de la direction est moins souvent ouvert à la grande patronne, la poule faisandée lui colle aux fesses dès son arrivée et jusqu'à son départ. Mais au café, aux journaux, dans les couloirs, dans l'entrée de la clinique, au ibis de la rue Lacépède, cela provoque bien des rires et des inquiétudes. Nous avons toujours le même respect pour les personnes qui nous procurent du travail. Et nous avons aussi du respect pour votre mère, pauvre femme ignorante de tout ce qui se trame. Si la situation se poursuivait, nous serions dans l'obligation de l'en informer. Nous n'avons pas la prétention de juger l'attitude de la direction, mais cette fois, nous n'accepterons plus, nous, infirmières, aides-soignantes, brancardiers et petites mains du petit personnel, d'être jetés à la porte sans aucune raison, sauf les raisons d'être contre le déshonneur, cordialement voilà qui est quand même très ma foi très 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 fort dans, dans les mots je pense qu'il y a un élément qui doit être quand même noté c'est la date oui la date bah ben oui ça se passe juste avant ma 68 donc Après ça 68. se passe juste juste avant cette immense remise en cause d'une certaine autorité on est au moment aussi où l'autorité des mandarins en médecine est particulièrement contestée et puis je trouve que cette lettre elle est toujours terriblement actuelle non oui, oui, on peut, penser, hein on peut la plaquer facilement aujourd'hui, absolument, absolument, <laughs> et à bien, à bien des, des contextes euh, euh, sociaux, euh, quels qu'ils soient. Bref, euh, justement, quand on tombe sur une lettre telle que, telle que celle-ci, bah, voilà, qu'est-ce qu'on qu pense Quels sont les, les songes qui nous traversent à ce moment-là Je dirais que d'abord, on ne pense pas. En fait, euh, ben, quand j'étais petite, euh, comme beaucoup d'enfants, je fouillais. Euh, je fouillais dans les affaires euh, parentales, euh, ben, à la recherche des origines, à la recherche de quelque chose. Et au fond, la première fois que je suis tombée sur euh, certains des courriers qui, sont, qui se retrouvent dans Saturne, eh bien, vous voyez, c'est trop, trop grand pour vous dans ces cas-là. Vous ne pouvez pas penser, les mots sont trop grands, les images qui se bousculent font que vous vous déconnectez de vous-même. On est obligé de considérer ça euh, comme en arrière de, de soi pour pouvoir le penser. Les années passent. Et là, euh, voilà, quand, quand, quand j'ai décidé d'en de, 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 faire un, un, un matériau pour, pour le livre, euh, j'étais dans une jubilation certaine. C'est-à-dire qu'on parlait de Jelinek et de féroce et de grotesque, et ben là, on, est on y est, on y est complètement. C'est-à-dire qu'au milieu d'une tragédie, l'histoire de la mort d'un homme jeune, sa famille, où il se passe tout un tas de, de haine, de jalousie absolument terrible, et ben il y a aussi des moments, des moments comiques et des moments où chaque personnage de cette comédie humaine, ils sont tous un peu, ils sont tous un peu grotesques. Mais on a une autre lettre. Oui. Qui est, qui est essentielle et dont la tonalité est ma foi bien, bien différente. Oui, elle est tout à fait autre. Paris, le 25 novembre 1975. Pour ta voix qui me fait bander, pour tes silences qui m'enseignent, pour tes seins à foutre, ta bouche à jouir, pulpeuse rosée. Pour les perles de sueur sur tes épaules, pour les ailes de ton nez qui frémissent et se retroussent à la moindre contrariété, pour ton visage du matin, ton visage fardé, ton con velu, ton con rasé, ton con inextinguible capable de m'assoiffer la bouche et la queue, pour tes sanglots quand tu as joui entre mes bras hier en haut des marches d'escalier, tes yeux rivés dans les miens, pour tes mensonges d'enfant sauvage, pour toutes les larmes que tu as versées pour ta mère, pour ce bébé que tu attends et qui sera le couronnement de tout, j'en suis sûre. Ève, tu es mon unique et je suis à tes genoux. On me dit que je devrais te haïr, mais je ne peux que haïr tout ce qui n'est pas toi. Je devrais te fuir, mais on ne fuit pas ce qu'on cherchait depuis toujours. On s'y jette comme on entre en religion. La joie avec toi vaut bien plus que toutes les richesses du monde. Tu es grande, d'une grandeur amère qui ravage tout, détruit tout, mais sort les gens d'eux-mêmes. Le plus drôle, c'est que tu ne le sais même pas. Non, je ne crois pas que tu aies idée de ce que tu causes, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu ne sais pas non plus ce que tu dis, et c'est ça qui te sauve. Je ne dors plus, je ne mange plus, ma poitrine me brûle, mon sang est comme du plomb, je n'ai plus de mémoire, tu abolis tout. Je n'ai jamais rêvé que de te tenir tout contre moi, je ne vaux rien sans toi. Je te veux jusqu'au bout de tout. Tout cela est immoral, peu m'importe, scandaleux, peu m'importe, je vais finir de perdre l'estime de mes parents et de mes amis, peu m'importe, me faire insulter par mon frère, peu m'importe, je m'en fous. Je me fous de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui n'est pas nous. Dis-moi, je t'en prie. Si je t'ai perdue, alors je partirai sans me plaindre. Mais s'il y a encore en toi la plus petite velléité de me pardonner, alors mon amour de toujours vient. Harry. Sarah Chich, pourquoi avez-vous tenu à recopier, à insérer cette lettre au cœur de Saturne Je voulais faire entendre comment ces deux êtres se sont aimés d'une façon à la fois très sentimentale, très charnelle, même un peu pornographique. Et donc, euh, dire qu'entre ces deux-là, il y avait eu toutes ces gammes de l'amour. Alors, euh, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer un certain nombre de lecteurs, et certains m'ont dit, oh, mais comment est-ce que vous avez pu mettre ça sur vos parents et La réponse est la suivante, c'est que ce ne sont plus mes parents, je les traite comme des personnages, donc comme un homme et une femme. Et donc, à partir du moment où je suis totalement désengagée, quoique. Ça me fait toujours quelque chose, pour être tout à fait honnête, à chaque fois que je lis cette lettre, je les vois. Je les vois en arrière de mes yeux, c'est comme le prologue, à chaque fois que je le lis, je le vois, lui. Euh, alors même qu'enfant, je ne le voyais pas. Mais ça, c'est quelque chose d'une hantise propre à l'écriture. Donc. Euh, c'est une façon de faire en sorte que ça ne soit pas perdu, que mes parents soient toujours, euh, soient toujours avec moi. C'est les pauvres moyens que je... Voilà, on se trouve tout un tas de moyens et voilà, c'est ce, ce que j'ai trouvé. Pour autant, euh, il y a aussi cette distanciation radicale et donc, euh, ben voilà, je les traite comme dans n'importe quel personnage de, de roman où, euh, où il est question d'un grand amour, d'un truc hyper passionnel, hyper sexuel et hyper romantique en même temps. Alors, justement, est-ce qu'il y a certains passages que vous revendiquez ouvertement comme de la fiction pure où vous êtes pleinement consciente que ça n'est pas la réalité, même ça peut même être parfois l'inverse de la réalité, mais vous revendiquez la présence au cœur de cette œuvre littéraire Ah oui, mais alors c'est très difficile de faire, euh, de ça, faire si le vous... tri comme ça. Ben pour la guerre d'Algérie, par exemple, je ne sais pas dans quelles conditions exactes ils sont, ils sont partis. Euh... Pour le moment aussi de ma, de ma dépression mélancolique, euh, va y venir. il y a des choses, un roman, c'est pas un journal clinique. Donc il y a des choses que je ne dirais jamais dans un livre, euh, qui ne concernent absolument pas la littérature, qui ne sont pas utiles pour l'économie de ce livre. Ou pour d'autres, quand j'ai écrit euh, "Personne", euh, voilà, de, sur sur Pessoa et la mélancolie. Donc ça, je, pff, voilà, on ne va pas infliger ces choses-là euh, au, au lecteur. Euh, donc là, c'est là aussi qu'intervient le, le travail, le travail de la fiction. Oui. Alors vous avez donné le, le mot clé mélancolie, oui. justement. On, enfin voilà, on, on l'utilise volontiers ce, ce terme, mais euh, comment le définiriez-vous précisément mmh. Eh ben. La mélancolie, c'est pas un petit spleen poétique, une petite nostalgie douce, comme une espèce de soie qui vient, qui viendrait vous retrouver et vous entourer. La mélancolie, c'est un état où ce n'est pas ce n'est pas que vous êtes simplement déprimé et que vous avez perdu de l'intérêt pour, euh, pour ce qui vous intéressait avant votre travail euh, les amours euh, vos amis la vie sociale non c'est il y a plus de moi. c'est-à-dire que alors freud a une très belle phrase il dit l'ombre de l'objet tombe sur le moi eh bien c'est ça c'est-à-dire que vous êtes tout entier tapissé de nuit tapissé d'une substance noire et opaque et euh, tout a été de toute éternité déjà perdu. Ce même pas qu'il n'y a plus rien à perdre, c'est que vous vous sentez ni vivant ni mort, en fait, dans un état de déréliction. Ben, euh, voilà, c'est ce, ce que raconte Sartre dans, dans La nausée. Euh, c'est ce que raconte le cri de Munch. C'est ce que raconte... Euh, voilà le moment où vous êtes confronté à la nudité la plus grande de l'existence et où au fond euh, derrière les peaux même les plus jolies même les plus fardées vous voyez toujours comme en anticipation le cadavre c'est ça en fait c'est euh, le travail de la mort en soi d'une façon telle que que tout est calciné tout est perdu car la deuxième moitié du, du, du livre autant la première j'allais dire était assez factuelle assez Narrative, euh, cette, cette, deuxième, cette deuxième partie de, de Saturne est beaucoup plus, j'allais dire, enfin euh, laisse beaucoup plus une part assez, assez large aux considérations sur la mort, sur le temps, la mélancolie, etc., etc., Pour vous, le livre ne pouvait être constitué que de ces deux entités euh, aux tonalités très différentes. C'est manie et mélancolie, oui. en fait. Euh, Manie parce que exubérance de ce monde, exubérance de la richesse, exubérance de l'amour euh, entre Eve et Harry, exubérance grotesque aussi avec la, la, la lettre des, des employés, on l'a vu. Et puis le, le, la, la deuxième partie, c'est effectivement une écriture que j'ai souhaitée tout, tout à fait différente, alors euh, plus, plus blanche, pour dire ce que c'est que l'essence les, d'une enfance euh, hantée par le deuil. Et la première partie, c'est le père. La deuxième partie, c'est la fille. Au fond, euh, qui est le fantôme de l'autre On ne sait, on sait mmh. plus très bien. C'est-à-dire que euh, parce que le roman, j'allais dire, si on devait le classer en un genre, j'ai presque l'impression qu'on est dans le fantastique et dans le roman de fantômes. Oui, Histoire de fantômes, oui, absolument. Oui, bah, j'aime beaucoup Henry James aussi. Et, et récemment, je lisais euh, Peter Stamm, La douce indifférence au monde. Je, je me demande pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. On reste chez les écrivains germaniques. Oui, ah oui. Ben, C'est un grand écrivain, Stam. Oui, oui. Livre magnifique. Et, euh... et donc, il, il, il s'agit bien de ça, de, de, de ces histoires de hantise et de l'écriture aussi comme, comme fantôme. Qu'est-ce que les Japonais nomment le takotsubo Oui. Alors, takotsubo, la, la traduction littérale, ça veut dire piège à poulpe. C'est la sidération du cœur. La sidération physique, c'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose de trop fort, de trop douloureux, une rupture, un deuil, un licenciement, assister à un att attentat ou à un accident, en tout cas quelque chose de tel que vous allez littéralement, votre cœur va se briser, les muscles vont s'arrêter, tout va s'atrophier, se rétrécir subitement et on peut mourir comme cela. C'est le syndrome du cœur brisé. Et en réfléchissant à la façon dont je pouvais expliquer la mélancolie, au fond, je trouvais qu'il était intéressant d'appliquer ce syndrome physique du Takotsubo à ce qui se passe euh, quand on tombe en dépression mélancolique, c'est-à-dire cette sidération non plus physique, quoiqu'elle finisse par devenir physique, mais psychique également. Euh, on a une anecdote que je trouve absolument glaçante c'est euh, lorsque votre oncle. Vous recontacte pour vous dire qu'il qu vous a trouvé, enfin une, une possible demeure en quelque sorte. Oui. Vous voulez que je c'est peut-être plus, peut plus facile c'est peut-être plus facile à lire. Parce que c'est un passage assez oui, oui. étonnant. Voilà. Donc on est au début de la deuxième partie. J'étais dans un train quand mon oncle, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis une vingtaine d'années, m'appela au téléphone pour me dire d'un trait d'une phrase que l'on avait enterré ma grand-mère Louise le matin même, que j'allais les hériter et que rendez-vous était pris chez le notaire ainsi que dans son appartement pour le vider. Au moment précis où je rentrais en France, après une année d'exil, on avait ouvert, sans que j'en sache rien, le caveau dans lequel se trouvaient déjà les restes de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-mère pour y empiler un nouveau cercueil dans lequel me glissa ensuite mon oncle, il y aurait toujours, malgré les dissensions au sein de notre famille, une place pour moi. Je lui répondis que je serais au rendez-vous. Je descendis du train, traînant ma valise jusqu'à un banc. Je m'assis pour allumer une cigarette, mes mains tremblaient sans moi. Comme si vous étiez d'une certaine manière rattrapé par cette identité. Oui, et puis c'est ça au fond, ben oui, être au rendez-vous. Il y aura toujours une place dans le cercueil pour toi. Donc, euh, la mélancolie, c'est ça, c'est être au rendez-vous euh, au rendez-vous de la mort euh, qu'on qu vous promet, c'est l'identification au cadavre. Comme si, oui, euh, Saturne, ça raconte cela aussi. Est-ce que, est que l'on peut échapper à ces injonctions familiales-là Est-ce qu'on peut s'en affranchir Est-ce qu'on peut prendre la tangente Est-ce qu'on peut fuir de tout son être vers une vie euh, tout, à, tout à fait autre Je veux croire que oui, sinon je ne serais pas là justement pourquoi ce titre saturne ah pour plusieurs raisons euh, d'abord parce qu'il y a ce tableau de goya que j'aime énormément saturne dévorant un de ses fils et sur lequel on voit le dieu saturne qui dans l'horreur de son propre geste enfourne dans sa bouche tout cru un de ses enfants donc c'est vraiment la question de la vie qui dévore son avenir et de cet art malheureux avec lequel euh, bien malgré eux Parfois, pas toujours, les adultes vont mettre à mort les éléments les plus vulnérables de leur propre famille, à savoir, à savoir les enfants. Première raison. Euh, la deuxième raison, c'est parce que Saturne, c'est la planète de l'automne. Mon père est mort en automne. Et c'est la planète de la mélancolie aussi. On y revient toujours. On y revient toujours. Vous savez, la mélancolie, ce sont, voilà, il y a les anneaux, hein, ce sont, ce sont des boucles aussi. Hein, c'est vraiment l'éternel, le, le, l'éternel ressassement, euh, ressassement du même, euh, où les objets euh, toujours déjà perdus reviennent. Et donc Saturne, j'en ai fait aussi le lieu de l'écriture. C'est-à-dire, c'est le seul lieu où je peux être à la fois avec les vivants et les morts, sans renoncer aux uns ni aux autres. C'est le lieu où je me sens le mieux. Mais ce n'est pas triste, ce n'est pas sinistre pour autant, ce n'est pas parce qu'il est question de, de mélancolie que forcément ça doit être glauque pour reprendre, comme dirait ma fille. C'est-à-dire que c'est une façon d'évoluer dans l'existence tout à fait autre. C'est-à-dire que euh, les mélancoliques vivent en permanence aussi euh, avec leur mort, dans leur mort, dans, le, dans leur monde perdu. Mais c'est ça aussi qui les, rend, qui les rend heureux. Au fond, c'est d'être... Euh, en permanence avec ce grand cortège des autres, invisibles. Et... Alors c'est une façon évidemment d'être tout à fait seul et de ne pas l'être en même temps. Et c'est ça que permet l'écriture, oui. Mais l'écriture, elle prend évidemment bien des formes, bien des traits. J'aimerais savoir, par exemple, est-ce que vous avez tenu un journal, un journal intime, euh, qui n'est pas forcément destiné à, publi à publication, mais pour vous Oui, quand j'étais petite, oui. Oui, j'ai tenu des journaux et puis un... Puis un jour, ma mère l'a découvert. Ça a été un grand moment de honte et d'humiliation. Et Mais euh, c'est un truc que je raconte au début de. Oui, est... oui dans le premier tiers de, de personnes de PSOA. C'est qu'en fait aussi, on écrit peut-être aussi pour ça, pour devenir illisible. Illisible par la mère, se soustraire du regard maternel. Et le triomphe absolu, c'est quand on vous dit Je ne comprends pas ce que tu écris. C'est l'étrangeté totale. Alors que là, là c'est une réussite parce qu'on sait qu'on a réussi à partir au plus loin. Là, on devient invisible, opaque, secrète. Ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Est-ce que fondamentalement, sur le travail de l'écriture, euh, lorsque vous avez signé des, des essais, enfin voilà, on pouvait parler des tics du Mikado autour du cinéma de Michel Haneke, euh, par exemple, est-ce que votre travail d'écriture est fondamentalement différent de celui qu'on peut, qu peut effectuer pour un, pour un roman ou est-ce quil y a quand même des, des ponts entre les deux démarches euh, Je dirais que c'est une écriture tout à fait, tout à fait autre. Euh, j'aime beaucoup la rigueur, la rigueur de l'essai. Euh, et puis j'aime beaucoup le travail de recherche préparatoire extrêmement conséquent. Euh, lié à cela. C'est-à-dire que quand vous écrivez un essai, euh, vous devez lire tout un tas d'autres livres, les ingurgiter, les assimiler et puis recréer, euh, recréer des territoires. Euh, et les notes de bas de page permettent encore d'autres styles d'écriture. Euh, on se met moins en danger psychiquement en écrivant un essai. On peut écrire sur la mort, on peut écrire sur l'amour, on peut écrire sur le mal dans le cinéma de Hanneke, mais euh, voilà. Euh, on reste. Euh, je veux dire, la, 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 le processus de sublimation intellectuelle permet d'être tout de même à l'abri dans les romans, pas du tout. Hein. Ça, ça brûle, mais comme la comme la neige brûle, c'est-à-dire que c'est absolument c'est absolument glacé et glaçant. Et, et bien des, des fois, en écrivant Saturne, nous les Enténébrés, À certains moments, il fallait il fallait arrêter parce que ça provoque un un grand effroi calme. C'est trop. Donc euh, c'est à ce moment-là qu'on va marcher. <laughs> La psychanalyse, on sait, encore une fois, euh, fait un travail particulièrement euh, essentiel sur les mots. Euh, J'aimerais bien qu'on... Puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, parfois un peu à tort et à travers, et qui est le titre d'un de vos romans, L'emprise. Oui. Puisqu'on... Voilà, c'est un mot qu'on entend un petit peu partout aujourd'hui. Euh, je m'adresse à vous. En tant que romancière, quelqu'un qui utilise les mots dans un travail fictionnel, mais aussi en tant que psychanalyste, qu'est-ce que l'emprise ah ben L'emprise, c'est la façon dont possiblement un être va s'approprier un autre. Là, on touche encore à la question du mal. Derrière la question de l'emprise, il y a la question du mal, c'est-à-dire comment est-ce que, enfant, adolescent ou adulte, vous pouvez tout à coup vous retrouver sous l'emprise d'un autre, c'est-à-dire totalement assujetti à un autre qui va faire de vous son objet. Et donc, euh... Parce que c'est aussi le thème, d'une certaine manière, de, de, de ouais, Saturne. Absolument. C'est la façon dont Harry, dans la première partie, va être l'objet de ce monde et l'objet de ses parents, l'objet de son frère aussi et l'objet de Ève. Et euh, la narratrice, dans la deuxième partie, va être l'objet des, des fantômes. Euh, oui, je crois que justement, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est la déprise. <laughs> et donc, c'est pour ça que j'écris aussi. Euh l'affranchissement c'est-à-dire la liberté extrême que l'on peut trouver à s'affranchir de livre en livre de plus en plus de soi comme euh, comme des autres euh, et puis aussi la question de l'enfant si on parle d'emprise on parle d'enfants et d'enfants démunis celui qui ne parle pas celui qui n'a pas les moyens de pas les mots pour le dire euh, donc, à chaque livre, sans doute, je refais cette euh, traversée de l'emprise à la déprise. Quoique, avec celui-ci, il y a quelque chose qui s'est, je le sens bien, qui s'est clôturé, qui s'est fini. Avez-vous déjà un autre travail romanesque en cours ou pas Oui, monsieur. L'interrogatoire. <laughs> oui, j'en ai un. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il vient en connexion directe Non, absolument avec, pas. Avec ce, sera, ce, sera très, ce sera très différent. Euh, je crois que là, il y a clôture d'un cycle autobiographique donc je veux m'attaquer à quelque chose de, de tout à fait autre ça va me prendre un peu de temps mais euh, enfin je ne suis pas pressée donc euh, voilà je vais, je vais prendre le temps qu'il faut Bon et enfin pour terminer cette, cette rencontre Sarah Chiche oui. bah, j'aimerais bien encore vous entendre avec un petit extrait de Saturne de, de oui. qu Qu'est-ce qu que vous aimez lire Je peux le dire tout de suite, nous ne sommes pas dans un roman à suspense, avec une grande révélation thématique essentielle. Donc ce n'est pas, pas très grave si vous lisez la toute fin de, de Saturne. Sarah. Mais ce que vivent les gens comme moi, c'est autre chose. Pour nous, le temps du deuil ne cesse jamais. Car nous ne souhaitons surtout pas qu'il cesse. Nous ne voulons pas de son évacuation forcée. Nous ne tendons pas à surmonter la perte. Nous n'aimons pas être consolés, séparés de la chose perdue. Nous vivons en permanence dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis, et c'est cela qui nous rend heureux. De Saturne, astre immobile, froid, très éloigné du soleil, on dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de la tonne et que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre je ne connais pas de joie plus forte. Dans un poème de Gustave Schwab, un cavalier veut atteindre le lac de Constance et le traverser en barque. C'est l'hiver. Tout est enseveli sous la neige, sans le savoir, le cavalier s'avance au galop sur la glace. Quand il atteint enfin l'autre rive, étonné de n'avoir toujours pas vu le lac, il demande où il se trouve. On lui apprend qu'il vient de le traverser, on le félicite, à ces mots il se fige, son cœur cesse de battre, il s'écroule, terrassé. Revenir sur ce qui fut le lieu de notre anéantissement n'est pas possible sans se rendre compte enfin avec horreur de l'ampleur de ce à quoi on a survécu. Et pourtant un jour, caché dans la grande pulsation d'une ville cernée de montagnes où l'on pensait ne jamais revenir, on écrit, depuis l'autre côté d'un lac, enfin traversé son noyer, d'une toute petite main, tremblante, honteuse, si peu sûre d'elle, ce que l'on chuchotait déjà dans le noir d'une chambre d'enfance où l'on parlait tout seul aux étoiles, et aux planètes de papier collées au plafond. J'ai maintenant, autour des yeux et le long des joues, les rides que mon père n'aura jamais. Ce livre a usé mes forces. Mais la seule chose qui compte, c'est que tous ceux que nous avons aimés, tous ceux que nous avons pleurés, tous ceux que j'ai imaginés, tous ces rêves évaporés, tous ces lieux où je ne suis jamais allée, tous ces affrontements, ces passions, ces déchirures qui n'existent plus que par les souvenirs de souvenirs que l'on m'a racontés, la totalité du monde où nous sommes apparus, tout ce qui nous a tués, lui et moi, tout cela ne nous atteindra désormais pas plus qu'un souffle de vent qui renverse un château de cube au pied d'une enfant en train de jouer. J'entre dans l'automne de Saturne, et sur la route où je pars, seul, mais avec mon père, seul, mais avec ceux que j'aime, seul, mais avec les mélancoliques, les amoureux, les endeuillés, les intranquilles, seul, mais caché dans la foule des vivants et des morts, tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu. Tout est sauvé, tout est perdu, tout est splendide. Merci beaucoup, Sarah. Merci vous. Merci d'avoir joué le, le jeu de cette rencontre virtuelle dans le cadre du Festival Effraction. Et donc, on recommande évidemment la lecture de ce roman, Saturne, de Sarah Chiche, aux éditions du Seuil. Merci à tous.